をしていきたいリターの方から提案をもらって、彼はその日本人も知らないような日本語、ちょっと漫画の業界のものを書いてみませんかと言われて、それは面白いなと思いました。En fait, il y avait un éditeur donc, avec qui on avait déjà travaillé qui nous a proposé une idée originale donc de vraiment de présenter à un public francophone des mots que même les Japonais lambda ne connaîtraient pas sur spécifiques au manga. Donc on a trouvé ça l'idée très amusante. Donc voilà. Et... manga 業界全体で努力をして漫画を作ってるかっていうことを伝えられたら嬉しいなと思ってたからすごくチャンスだと思います。Et en fait, comme j'ai interviewé beaucoup d'auteurs de manga, j'ai côtoyé des auteurs de manga, et je savais vraiment que c'était vraiment un travail très intense et qu'ils faisaient beaucoup d'efforts. Donc, j'avais vraiment envie de le transmettre et c'était l'occasion, c'est présenté en fait, de présenter leur travail et à quel point ils s'investissaient vraiment dans leur art et dans leur passion. Donc voilà, je suis très contente de cette occasion.漫画家を取材したりインタビュー記事を書いたりあと漫画の書評を書いたりコラムを書いたりする仕事をしています。Oui. Alors, je travaille donc. J'écris et je propose des projets sur le manga. J'interviewe des auteurs de manga au Japon. Donc voilà, je travaille dans le milieu du manga. Et moi, je suis traductrice de manga de japonais vers le français. Je fais aussi des sous-titrages de films d'animation.そうですね、日本では漫画って本当に小さい子供から大人までみんなが読んだことが必ずあるからすごく理解がしやすいから例えば歴史、歴史の戦争がこんな戦争があったよとかそういうものも漫画になってるしそれを脚色してすごく楽しい物語にして読めるようにしてたりあと昔の古典を漫画にしたり、それで勉強するパターンはすごく多い。先生が勧めたりすることもある。はい。Alors le manga en fait au Japon est lu par les tout petits mais aussi par les gens plus âgés et tout le monde a déjà lu du manga et c'est vraimentfacile à comprendre. En fait, le manga, c'est facile à lire, facile à comprendre. Donc, il arrive que ça soit utilisé aussi pour un côté éducatif. Donc, il existe des mangas vraiment éducatifs, des mangas sur l'histoire. Par exemple, il peut y avoir un manga sur une bataille très compliquée, etc. Donc, et si c'est dessiné de manière un peu ludique, c'est plus facile à comprendre. Et aussi des grands classiques, par exemple de la littérature, qui sont aussi adaptés en manga, voilà, qui rendent plus accessible.あと外政府とかがさもし何かあれしたい時とか麻薬とかさそういうのどうぞ。Et aussi, au Japon, c'est aussi utilisé par les collectivités locales ou par les administrations pour expliquer avec un côté un peu, par exemple, attention à la drogue ou des choses comme ça. Ça peut être expliqué en manga. La sécurité routière, c'est un côté un peu de proximité. Le manga est très quelque chose de proche pour les Japonais, familier.会社紹介とか Oui, et aussi pour présenter les sociétés, pour la marque, pour l'entreprise. 漫画ってこんなに風にして作ってるんだって、こんな思いして作ってるのっていうのをちょっと知らせたかも、やっぱり。Oui, en fait, bien sûr, c'est pour présenter le manga aussi à des personnes déjà qui connaissent le manga, certains mots techniques, mais c'est vrai qu'aussi à des personnes qui ne connaissent pas, par exemple, les étapes de création de manga et aussi, surtout, ce que.La vie que peut avoir un auteur de manga, ce qu'il peut ressentir, tous les efforts qu'il fait pour faire un manga. Voilà, j'avais envie de transmettre ça. Esthétiquement, ça. Oui. Alors, en fait, まずさ、イラストはあまりないものだって最初は言って、あと川上さんのことと、あとはデザイナーさんとエディターさんって言った方がいいよね。それは、いい言って。Alors, en fait, c'est vrai que déjà, cet ouvrage, à la base, c'est beaucoup de textes.Donc ça, c'était prévu que c'était un ouvrage d'abord plus de textes, avec bien sûr des illustrations. Alors nous aimons beaucoup l'auteur Junko Kawakami, donc nous lui avons demandé la couverture. Et ensuite, des extraits de son ouvrage It's Your World. Et après, c'est vrai que c'est l'éditeur et le designer qui a fait tout le travail de la mise en page, de ce côté un peu agréable, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes, donc il y a vraiment des choix, c'est un travail d'équipe.